Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde, merci pour fidélité nous avec équipe Bombard Media now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Institution ça qui c'est la police, gen mission pour garantir l'ordre public ak sécurité moun ak bien. Pour marquer date ça, autorité yon réuni dans l'Académie nationale police là, sous route frère pour participer dans l'activité qui prévoit dans l'occasion. Si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Pas oublier quitter ton commentaire pour nous en suivre. Texte pandémie COVID-19 la police nationale a célébré 25 ans de création. C'est une pavillon Académie nationale police là qui recevra quelques membres dans gouvernement ou commandement PNH là avec employé civil institution ça pour marquer date ça. Une célébration qui commence avec une cérémonie religieuse. Ramon Hermil, directeur général à l'institution police là, remercie le gouvernement et le corps diplomatique là pour accompagnement et encadrement au bail PNH là. C'était occasion pour DG AIA rappeler policiers yo même qui établi pour faire travail yo et promettre au commandement fait tout effort pour lever défi yo tant que lutte contre gang à groupe exam kidnapping trafic exam. Pour ça la police la compte sous collaboration chaque citoyen. Recevons les gangs policiers policières, soyons des serviteurs dignes de la République avec toute l'abnégation et les sacrifices que notre métier de policier nous impose. Une récompense spéciale à tous les policiers qui ont traqué les criminels notoires, y compris les 509 fantômes, RAD y compris. Policiers, policières, regardons-nous vers l'avenir. Il nous importe de regarder l'avenir avec optimisme, car la PNH doit être cette police du futur. Policiers, policières, expliquons-nous ensemble les 509 fantômes de cette norme police de service public. Chers contemporains de 95, vous qui avez, comme moi, porté cette police sur les fonds baptismaux, vous qui l'avez accompagné de faire ses premiers pas, vous qui avez été témoin de ses déboires et de succès, vous qui constituez pour la PNH des banques de données inépuisables destinées à alimenter ceux qui viendront au fil des ans, afin d'assurer la permanence de l'institution au-delà des services quotidiens que vous fournissez à notre pays, compris de haut risque. Le savoir-faire et le savoir-être joint à la détermination de mon équipe vont être conjugués pour continuer à donner les résultats que la population attend de nous et les détruire à nouveau. Notre acharnement à lutter contre le trafic de la drogue, la criminalité transnationale organisée, le financement du terrorisme, la traite des personnes, la lutte contre la corruption, le kidnapping contre les gangs armés constituent mes nouveaux défis. À la population haïtienne, à mes concitoyens et concitoyennes, mes derniers mots sont à vous. Sans votre appui, votre confiance, votre patience, votre compréhension, le travail policier sera encore plus compliqué. Et en ce jour historique, je viens au nom de la PNH vous renouveler notre engagement à continuer à vous servir loyalement et avec toute notre énergie. Ministre Justice et Sécurité publique, là, M. Lucman Delisle, félicite agents qui pendant 25 ans, utilisaient professionnalisme dans le travail malgré les difficultés rencontrées. Ministre Justice là fait connaître, autorité a toujours paré pour recevoir les revendications dans le PNH là, pendant le rappeler, ça doit être fait dans l'ordre et la discipline. Chers policiers, policières, la population haïtienne a confiance en sa force de police. Mais la décevez pas. Le Conseil supérieur, par le mandat, vous garantit de son accompagnement en vue d'améliorer vos conditions de travail et à l'écoute de vos motivations. Croyez que votre bien-être fait partie des soucis, des autorités et de la hiérarchie. Les autorités sont toujours à la recherche de moyens pouvant vous permettre d'accéder à la plus de bien-être pour preuve le plein matin du salaire mensuel des policiers
l'augmentation de la carte de Libye, le paiement des agents du salaire, malgré les problèmes auxquels fait face le pays, vos revendications seront analysées, toujours prises en compte. Toutefois, je vous rappelle que l'ordre et la discipline sont à la base de la pérennité de toute institution armée. Les structures de commandement de l'institution ont été instruites d'établir et de maintenir le dialogue avec tous les échelons de l'institution sur la base du respect des normes en vigueur. Pour occasion, yon statue érigé dans la cour académie nationale police là. Monument ça d'après responsable, c'est en façon pour saluer travail agent PNH. Son excellence monsieur le président de la République, son excellence monsieur le premier ministre, monsieur le président du Sénat, monsieur le président du CSPJ, monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, monsieur le ministre de la Défense, monsieur le doyen du corps diplomatique, madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, madame, messieurs les honorables juges, madame, messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, monsieur le commandant en chef des forces armées, mesdames, messieurs les membres du rang état-major de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs les grands commis de l'État, mesdames, messieurs les représentants des organisations des droits humains, monsieur le police commissionnaire Tubigné, monsieur le protecteur du citoyen, chers amis de la presse, population haïtienne, policiers et policières. 12 juin 1995, 2 juin 2020, voilà déjà un quart de siècle depuis la création de la police nationale d'Haïti. En ce jour, retenons historique. Nous ne saurions, en dépit de la situation particulièrement difficile, découlant de la grévissivité de la pandémie de la COVID-19, ne pas répondre à l'appel du devoir patriotique pour célébrer avec vous cette journée qui revêt un caractère aussi symbolique dans la vie du peuple haïtien et du personnel policier en particulier. 25 années de lutte, de sacrifices, de pleurs, de déceptions, de critiques, de résistance, de fierté, d'espoir, de construction, et j'en passe. L'histoire de l'humanité, mesdames, messieurs, ainsi que celle des institutions, est un cumul de sites d'épreuves qui définit au bout du compte la qualité et la valeur de ceux et celles en situation d'action. Notre histoire nationale, quant à elle, est une querelle de refaits d'armes réalisés par des hommes et des femmes dont l'analyse des caractères et comportements nous inspire respect et admiration au regard des conditions générales d'action. Le regard tourné vers ce passé glorieux, héroïque, nous convie, mesdames, messieurs, en tant qu'acteurs du présent, à questionner la justesse et l'exactitude de nos engagements actuels au regard de notre vaillante histoire de peuple. À ce carrefour de la revisitation de la mémoire des héros de notre passé, tant lointain que proche, il nous a été amené à porter une rupture dans la continuité quand, en 1995, la force des choses devait conduire à la création de la toute première force de la police nationale et à la démobilisation des forces d'armée d'Haïti, tout un symbole. Haïti naquit sur fond de lutte émancipatrice, à haute dimension spirituelle, fondatrice même d'une nouvelle humanité, porteuse d'espérance et d'espoir pour les peuples opprimés. Mesdames, messieurs, il est malheureux, voire peiné, de constater que trop souvent, nos institutions de services publics doivent faire les frais des égaux des uns et des autres. Elles sont prises en otage par des intérêts mesquins, partisans, claniques de lutte politique sans grandeur. Elles sont détournées de leurs missions et objectifs et tiraillées, les membres y compris, écartelés en général, manipulés, divisés, en paient le prix fort de critiques infondées, sans rapport avec les causes et leurs faiblesses.
Quand le personnel d'une institution comme la police nationale d'Haïti doit faire face à de telles situations, c'est la pagaille et le chemin scabreux du désordre, de l'indiscipline et de la faiblesse assurée. Dans un tel cas, c'est le retour à notre devise nationale, l'union fait la force, qui reste et demeure l'orientation cardinale pour nous permettre de résister et de retrouver la voie de notre mission et agir suivant l'idéal de service pour lequel nous avons juré à travers la prestation de serment de prise de service. La situation actuelle du pays et la réalité de la PNH nous invitent à réfléchir et à répondre à la question posée tantôt. Où en sommes-nous dans ce noble idéal de service public de la protection des vies et des biens? Il nous faut tous, en notre fort intérieur, prendre le temps d'un exercice de conscience par une autocritique honnête. L'événement nous invite à cette introspection. Y sommes-nous donc à la hauteur des sacrifices des pères fondateurs de la nation pour répondre et prendre le virage qu'implique la conjoncture? Policiers, policières, membres de la grande famille de la PNH, au moment de souffler les 25 bougies d'anniversaire de la PNH, nous éprouvons certainement un sentiment de fierté d'appartenir à une institution qui représente la colonne vertébrale de notre jeune démocratie. Cette fierté, nous la partageons aussi avec les membres de la police intérimaire, de ceux venus de Guantanamo et ceux de Regina venant du Canada, ainsi que le personnel hors hiérarchie appelé couramment personnel civil. Nous n'oublierons personne dans cette liste, des pionniers aux derniers des recrutés de l'institution policière, en passant par les nombreux Haïtiens anonymes et les amis internationaux qui ont contribué à sa mise en place et continuent de l'accompagner encore à cet instant. Qu'il me soit permis d'exprimer une pensée spéciale pour toutes les autorités de l'État, passées et présentes, qui ont travaillé au développement de la PNH. Frères et sœurs d'armes, l'heure est à la réflexion, aux résultats et à la sérénité pour pouvoir aborder les multiples problèmes auxquels fait face notre institution, au-delà des jeux d'intérêt qui peuvent faire osciller chacun d'un côté comme de l'autre. Nous ne devons jamais oublier que nous avons un héritage commun à sauvegarder. La police nationale d'Haïti, une institution apolitique au service de la démocratie et du peuple. On est unanime à reconnaître que la crise qui secoue notre institution tourne autour de quatre grandes revendications, à savoir de meilleures conditions de travail qui impliquent des infrastructures appropriées, des équipements de protection et des moyens de déplacement adéquats. Le bien-être du personnel qui doit prendre en compte les soins de santé en cas de maladie ou d'accident à travers une assurance effective, l'accompagnement financier de leurs ayants droit en cas de mort, le logement, les salaires et les avantages sociaux. La professionnalisation des membres de la police à travers un programme de formation continue, tant en Haïti qu'à l'étranger, le vetting permanent pour protéger les membres de la PNH du Vénin et des tentacules de la corruption et de toutes les déviances. C'est pourquoi, pour répondre aux revendications, a été mis sur pied le service du bien-être de la police nationale d'Haïti. Policiers et policières, au regard du symbole, Haïti est bien plus grand que sa superficie. Il est venu le temps de nous réapproprier de notre histoire profonde pour faire face aux défis de l'heure. Nous devons être capables de penser résolument à une force de police à la hauteur des espérances de la population qui a accueilli la PNH avec une euphorie sans pareil le 12 juin 1995. Nous devons agir dans le sens de lui donner cette satisfaction et de faire sa fierté une police professionnelle protectrice des droits, des vies et des biens. En ce 12 juin 2020, marquant le 25e anniversaire de notre EPNH, il me vient encore en mémoire en ce moment de grande fierté et de joie qui a marqué mon entrée
Votre entrée et notre entrée comme aspirant policier à l'École nationale de police dans la noble idée de devenir des serviteurs et protecteurs de l'ordre républicain. N'est-ce pas une vérité absolue que l'ordre amène le progrès? N'est-elle pas une nécessité urgente? Par sept ans, de grandes inquiétudes liées à la pandémie de la COVID-19, de travailler au progrès de notre institution pour le pays, pour la patrie. Tous ceux qui ont amené, année par année, n'ont pas cessé de rejoindre les rangs de la PNH, je vous dis bravo. Et à tous ceux qui ont offert sur l'autel de la patrie leur vie en holocauste pour que la République tienne debout, que l'exemple de ces vies sacrifiées nous serve de ciment pour la sauvegarde de notre institution républicaine. Prenons une minute de silence en leur mémoire. Merci. C'est aussi l'occasion de rappeler ici que la PNH n'appartient pas aux policiers et aux policières. Elle se veut l'aboutissement d'un rêve de liberté, de démocratie, d'une population assoiffée de justice et d'état de droit. Les policiers et policières sont des serviteurs, faut-il bien le retenir. Bien commun, une institution républicaine, elle va au-delà de la personne d'un directeur général donné. Voir de son personnel, le personnel passe. La PNH traversera les épreuves du temps et demeurera. Policiers, policières, libres de tout désir de gain qui pourrait animer tout être humain, je suis venu pour servir la République. Je brandis à cet effet mon intégrité, ma compétence, ma loyauté, mon honneur et ma fidélité au serment de policier comme arme de réplique à toute critique et vous offre un exemple. Pour vous armer de courage et répondre à votre devoir de policier digne. La vérité et la justice étant les meilleurs paravents de tout temps. Je reste accroché aux idéaux d'équité et de probité qui m'ont toujours caractérisé. Car s'il est un bien beaucoup plus précieux à protéger, il doit être cet héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Dans ce cadre, selon commandement, la PNH doit faire autrement les choses. Nous ferons face aux adversités, aux contraintes et difficultés de toutes sortes avec détermination, intelligence et savoir-faire sans minimiser que les vieilles habitudes ont la vie dure. Policiers, policières, que l'on se rappelle la confiance qu'avait placée en vous le pays pour se convaincre qu'on ne peut pas décevoir les citoyens qui ne s'attendaient pas à être objet de tant de brutalité au cours des manifestations singulières des membres du groupe criminel Fantôme 509 qui enlaidit la belle image de la police 95. Ils se réclament d'être des policiers revendiquants. Oh, paradoxe! Pourtant, ils utilisent des moyens indignes du statut qu'ils proclament. Un policier peut-on s'attendre à ce qu'il s'attaque au bien d'autrui, brutaliser les citoyens qu'il doit servir et protéger, leur voler, violer, tuer, mettre le feu aux institutions publiques, détruire les biens de l'État, gaspiller le matériel de l'État, tirer sur des humains publics et privés et la direction générale de la police nationale qui symbolise le quartier général de la police nationale. Certainement non, faut-il les tolérer, les applaudir, les considérer? Je suis certain que vous, policiers, vous devez être gênés en cet instant que des individus se disant policiers puissent agir de la sorte et qu'ils puissent appartenir à la PNH. Combattons ces criminels ensemble avec moi à tout prix. Des moments d'égarement à tout être humain, mettons-y fin et ressourçons-nous à 95. Notre devoir, notre point de départ, plein d'espoir et d'espérance pour recevoir le pardon de la population haïtienne. Force droit de mérer à la loi,
et la PNH comme gardienne de l'ordre républicain ne saurait faillir à sa mission. Le groupe Fantôme 609 et tous les groupes criminels de la République doivent être des souvenirs pour le passé, ils seront conjugués au passé. Resserrons les rangs, policiers et policières. Soyons des serviteurs dignes de la République, avec toute l'abnégation et les sacrifices que notre métier de policier nous impose, une récompense spéciale à tous les policiers qui ont traqué les criminels notoires, y compris les 509 fantômes, grades y compris. Policiers un jour, policiers toujours. Le métier de servir est au vrai policier ce que le sang est à la veine, et la veine au cœur, la trilogie du cœur, de la veine et du sang vaut aussi pour la police, sa population et le service et du respect. Reprenant mon compte la parole, la parabole du fils prodigue, j'exhorte tous les policiers qui, l'espace de 6 mois, enterrés, écoutant la voix d'anciens gardiens du troupeau, se convertissant en loup, de regagner dans le respect de la hiérarchie et l'ordre institutionnel leur place pour le plus grand bien de notre commune patrie, Haïti chérie. 25 ans depuis sa création, il nous incombe responsable du présent de définir en 2045, qu'en sera-t-il des 50 ans. Des noces d'or de la PNH, je reprends à mon compte cette citation de Pierre Justat, l'histoire retrace le passé, l'industrie s'occupe du présent et le génie regarde vers l'avenir. Policiers, policières, regardons-nous vers l'avenir. Il nous importe de regarder l'avenir avec optimisme, car la PNH doit être cette police du futur. Policiers, policières, extirpons-nous ensemble les 600 fantômes de cette norme police de service public. Chers contemporains de 95, vous qui avez, comme moi, porté cette police sur les fonds baptismaux, vous qui l'avez accompagné de faire ses premiers pas, vous qui avez été témoin de ses déboires et de succès, vous qui constituez et pour la PNH des banques de données inépuisables destinées à alimenter ceux qui viendront au fil des ans afin d'assurer la permanence de l'institution au-delà des services quotidiens que vous fournissez à notre pays au prix de hauts risques. Soyez toujours disponibles à transmettre aux générations montantes les acquis de l'expérience. Pour ne plus avoir à revivre la mère expérience des dernières générations de policiers, jeunes de surcroît, qui ne prennent pour le point de départ de la police nationale d'Haïti. Hélas, une police du futur doit être à l'écoute des problèmes du présent. Étant à l'écoute des policiers, j'ai pu, en l'espace de quelques mois, corriger une injustice vieille de très longtemps concernant le grade dans la police. Depuis mon installation à aujourd'hui, de nombreux policiers et policières ont été réhabilités en grade. En ce jour face de notre vie institutionnelle, la Direction générale de la police nationale d'Haïti a une pensée toute particulière à l'endroit de la structure de l'équité des genres au sein de la PNH. Mesdames, chapeau à vous. Mesdames, Messieurs, mon commandement entend prioriser toujours la méritocratie, tous ceux et toutes celles qui ont des compétences avérées et d'une intégrité exemplaire n'ont donc rien à craindre. Le choix de la transparence étant le credo de la police qui fête ses 27 ans autour d'un slogan « S'unir, s'harmoniser pour mieux sécuriser ». Notre union pour l'harmonisation de nos compétences, tant morales que physiques, nous oblige à respecter les principes sacro-saints relatifs aux droits humains qui nous recommandent de combattre les vieux démons au sein de notre institution par le renforcement de la capacité de l'inspection générale de la police nationale, police des polices. Je veux qu'ici,
publiquement, soit remercier tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner dans cette aventure, ô combien noble de diriger cette noble institution. Je ne citerai pas de nom pour ne faire pas de mission, et tous, ils se connaissent. Je ne puis terminer mes propos relatifs à la célébration de nos noces d'argent sans remercier de façon spéciale Son Excellence Monsieur le Président Jovenel Moïse pour son support constant et permanent à la PNH et au bien-être des policiers. Un merci spécial au PM Jout et à mon ministre de tutelle, M. Luc Mandelille, pour leur encadrement et accompagnement. Des remerciements spéciaux aux doyens du corps diplomatique. Qu'il me soit permis d'adresser aussi des remerciements à la représentante du secrétaire général des Nations Unies et à son équipe, à l'ambassadeur américain, à son équipe, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de France, du Chili, d'Espagne, de Thaïlande, d'Allemagne, du Brésil, du Japon, ainsi que à son équipe. Un grand merci au père célébrant de la messe de ce matin. Un merci d'argent à vous tous. Au moment de laisser la DCPJ, j'ai laissé un pays presque épuré de gangs, de kidnapping, malheureusement revenu en charge à la tête de la police nationale d'Haïti en août de l'an dernier. J'ai eu un pays avec plus d'une centaine de gangs et une institution policière malade, désorganisée, démantelée. Le savoir-faire et le savoir-être joint à la détermination de mon équipe vont être conjugués pour continuer à donner les résultats que la population attend de nous et les détruire à nouveau. Notre acharnement à lutter contre le trafic de la drogue, la criminalité transnationale organisée, le financement du terrorisme, la traite des personnes, la lutte contre la corruption, le kidnapping contre les gangs armés constitue mes nouveaux défis. À la justice haïtienne, à nos juges, nous avons aussi une pensée spéciale pour leur accompagnement et leur encadrement. Merci à vous, magistrats, qui ne rechignent pas à la tâche et acceptent de faire corps avec la PNH durant ces 25 années pour maintenir la paix et l'ordre public. Mes frères et sœurs de la PNH, à quel niveau de responsabilité ou de grade que vous vous retrouvez au sein de l'institution, vous avez quelque chose à transmettre. Il se peut que ce soit votre passion pour le travail bien fait. Il se peut que ce soit la ponctualité au travail. Il se peut que ce soit la culture du respect de la hiérarchie. Il se peut que ce soit une expérience en matière de gestion de ressources disponibles ou de planification des interventions policières. Ne partez pas, je vous en conjure, sans partager votre savoir et votre savoir-faire. C'est un sujet auquel vous devez y réfléchir sérieusement. Ce sera peut-être votre dernier devoir historique envers la PNH, notre berceau commun et pour notre patrie commune. Mesdames, Messieurs, je prends l'occasion de ce grand événement pour féliciter de manière particulière tous mes prédécesseurs, directeurs généraux et les anciens inspecteurs généraux en chef de la PNH qui se sont distingués et ont consenti le sacrifice de faire évoluer la PNH. C'est aussi leur fait. Vous avez chacun contribué à cette œuvre titanesque. Je vous salue respectueusement et je vous remercie. Mesdames, Messieurs, enfin, comment pourrais-je oublier tous les valeureux policiers tombés durant la pandémie de la COVID-19. Vous avez tous mérité de la patrie. La PNH se souviendra toujours de vos bons et loyaux services. Mes pensées spéciales vont à l'endroit de tous ceux qui ne cessent de ménager leur effort pour servir et protéger la population avec professionnalisme et respect. Le commandement que j'ai l'honneur de diriger vous présente ses plus vives félicitations et renouvelle sa détermination dévouée à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail, ce dans le respect des principes et de la déontologie policière. Un merci spécial au président du comité
et au vice-président de préparer les 25 ans, ainsi que toute son équipe, le directeur central de l'administration et des services généraux de la PNH, IG Miscadin, et le docteur Nassar. Merci. Un grand merci à toutes les directions centrales, aux directions départementales. Merci à toutes les unités spécialisées de la PNH. Un merci fort à tous les employés civils, spécialement à tous ceux qui fêtent leur noce d'argent avec la PNH aujourd'hui. Aussi, pour marquer de manière indélébile notre premier quart de siècle, mon administration a-t-elle jugé nécessaire de prendre des mesures intelligentes répondant aux exigences de l'heure, des directives sur le protocole des funérailles des policiers, des directives sur le service du bien-être de la police nationale d'Haïti, des directives sur le service médical de la PNH, des directives sur la création de l'atelier de couture, des directives sur les médailles d'honneur et mérite, 25 ans de carrière, 15 ans de carrière et 10 ans de carrière. On avance sur l'endoctrinement de la PNH et le plan de carrière de ceux qui viennent de boucler leur 25e année comme moi et qui ont toujours eu une conduite exemplaire. À ce titre, je veux annoncer publiquement que l'idée Antoine Voisin va recevoir une médaille de la police nationale comme officier modèle et en servir dans des conditions difficiles, ainsi que d'autres policiers, policières, employés civils de l'institution policière. À la population haïtienne, à mes concitoyens et concitoyennes, mes derniers mots sont à vous. Sans votre appui, votre confiance, votre patience, votre compréhension, le travail policier serait encore plus compliqué. Et en ce jour historique, je viens au nom de la PNH vous renouveler notre engagement à continuer à vous servir loyalement et avec toute notre énergie. Nous ne ménageons aucun effort pour vous amener la paix et la protection que vous attendez de nous. En retour, nous vous encourageons à continuer, à nous supporter, à nous accompagner à travers la presse, vos organisations de droits humains et de toutes les organisations de la société civile. Chaque citoyen peut faire la différence, son appui compte pour le développement de la PNH. La PNH vous appartient et nous, policiers, nous sommes les gardiens serviteurs. Heureux 25 ans à vous tous et à vous toutes. Vive Haïti, vive la PNH. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.